le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Pour pas changer, on est à table, donc là c'est l'heure du repas. Je vous prends l'heure du repas, vous savez. Donc la petite lasagne, je suis actuellement au Colonel Hachi. Donc la petite lasagne, petit pain à l'ail, petite glace Mickey. Voilà, donc on est là pour passer une bonne journée. Ça va être une journée un peu tranquille aujourd'hui. Il y aura du merch, on va essayer de faire un peu de merch. Et puis on va essayer de faire une petite chasse au personnage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Puis sinon voilà, écoutez, on va passer une bonne journée je pense. Bon là c'est midi et demi à peu près, 13h. Voilà, allez je vous laisse, je vais manger ça. Alors comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, si ça va vous plaire. C'est parti! Bon voilà les amis, je viens de sortir de table là, donc là on est toujours devant le colonel Hachi, comme vous avez vu. Alors on va commencer, on va faire les personnages dans le coin. Donc j'en vois déjà un ici, il me semble que c'est, je crois que c'est Donald, regardez, je crois qu'on a Donald ici là. Voilà, Donald, bon on va faire la photo, il y a un petit peu d'attente, mais on va essayer, bon je sais pas, on verra bien. Je me retrouve devant un petit Indiana Jones, vous savez, donc là. Elle est pas mal cette nouvelle casquette qu'ils ont sortie. Elle est à 25€, franchement. Je l'essaye, là, mais regardez. Comment vous me trouvez, là? Ouais, 25 balles. Franchement, cool. Il y a aussi le mug. Le mug, alors je sais pas comment il est, le mug. 22€, apparemment. Alors, avec le serpent, vous avez le serpent de l'attraction qui rappelle l'attraction, bien sûr. Voilà, Indiana Jones, c'est le temple du péril. Voilà. Juste pour vous dire, j'en profite pour vous dire, bon, bien sûr, le film sera disponible bientôt au cinéma, à partir du, je crois que c'est au mois de juillet qu'il sort, il va sortir. Donc au mois de juillet, le film sort. Sinon, ben, juste pour vous dire, en termes de personnages, bon, là on a vu, on vient de voir Minnie,
Dingo, Rafiki, Timon, et il y avait Donald du côté de justement Indiana Jones justement. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, on les a vus, donc déjà eux c'est fait, on les a vus. On va essayer de voir s'il y a d'autres personnages, je sais pas s'il y a encore Mickey encore au niveau de Phantom Manor. Et sinon on va aller voir sur Fantasyland si on voit des personnages. Il y a peut-être aussi des personnages sur Discoveryland peut-être, on va voir. Sinon voilà. Niveau merchandising, juste pour vous dire qu'il y a eu des nouveautés qui sont sorties aujourd'hui. C'est la gamme, vous savez, la gamme multicolore, justement, des Spirit Jersey et Bob. Alors la gamme multicolore, vous avez le Spirit Jersey qui est à 60€ et vous avez les Bob à 40€. Donc le Bob 40€, ça fait chéro quand même. Alors, là, je vous ai filmé ça ce matin. Donc c'est disponible à Emporium, à World of Disney et aux Légendes d'Hollywood sur Walt Disney Studios. Voilà, donc c'est disponible, cette gamme multicolore du coup pour célébrer le printemps, on va dire. Donc dédiée au Spirit Jersey et au Bob, etc. Voilà, bon, c'est pas maintenant qu'on fait BTM parce qu'il y a pas mal d'attentes. Voilà, allez, on continue le tour, c'est parti les gars. Les gars, bon, on est à Thunder Mesa, Mercantile Building. On est allé voir s'il y a des petits trucs sympas pour vous. Donc bien sûr, il y a les T-Rex qui sont trop craquants. Et voilà, les magnifiques T-Rex, voilà, ils sont à 30€. Donc là, vous les avez là. Donc on a Rex, on a bien sûr Lotso. Voilà. Bon, lui, il sent la fraise. Hein, ouais, ça sent la fraise. 30€. Le petit Lotso, on a le petit Fourchette, ici, juste là. Petit Fourchette, il est à 18€. Bon, 18€. Voilà, donc on a du Toy Story partout, un peu dans ici. Ils ont mis beaucoup de Toy Story. Alors vous savez que c'est ici qu'on retrouve beaucoup les produits Roi Lion, qu'on retrouve aussi les produits d'Halloween. Enfin, c'est la saison d'Halloween, et puis un peu de Noël aussi, voilà. Donc on fait un petit tour comme ça, on va aller voir du côté, il y a des produits Phantom Manor, et puis on fait un petit tour comme ça. Allez. Des petites promos par ici. Alors là, il y a toute la gamme Hades par exemple, ici est en promotion à moins 40%. Par exemple, là, vous avez le pull ici, il est à. Je sais combien. Je trouve l'étiquette. 60€, donc moins 40%, ça doit faire dans les 35€ à peu près. Vous avez le t-shirt Hades qui, ici qui est en promo. Vous avez également le petit Moonshine ici. Moonshine de Hades qui était à 85€. Pareil, 40%. Voilà. Bon, après il y a les produits, toujours les produits Mad Beauty, les petits masques, voilà, masques de vilain, donc là, il y a la reine, il y a Ursula,
Il y a Cruella, voilà. Et puis ici, on a toute la gamme Euro Disney, et produit un peu 30 ans. On a la nouvelle gamme Mickey Pop qui est ici, voilà, qui a été remis à jour. Voilà. Puis vous avez bien sûr la gamme Euro Disney ici, juste derrière. Vous la connaissez, on l'a déjà présenté. Donc le petit pull plutôt ici. Voilà. Voilà, mais je pense que c'est bon. On a vu ce qu'il y avait ici. Peut-être on va aller voir au fond de la boutique là-bas, et puis voilà. Allez, let's go. Au fond de la boutique, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est produit vaisselle. Donc là, on est au niveau de l'autre côté. Donc la boutique, c'est vrai que la boutique, elle est très grande. Bon, je vous ai déjà parlé de la boutique lors d'une vidéo sur un merch tour. On avait fait un top 10 boutique. Vous avez vu, donc là, ici, c'est tout ce qui est produit vaisselle. Ici, donc, vous avez des assiettes, vous avez des verres, des mugs, des bols, des gourdes, etc. Vous avez tout ici. Donc voilà, donc c'est pas mal. Vous avez tout le choix que vous voulez, des vêtements, de la vaisselle, etc. Bon, voilà. Allez, on va se retrouver. On va sur le hub, mais on va se retrouver un peu, je sais pas. Allez, c'est parti, let's go.
Alors, donc là, je me situe dans la boutique Rick Bones & Bow. Donc, c'est la boutique un peu, il y a un peu de tout ici. Vous avez notamment beaucoup de lunch pie ici au fond, vous avez vu. On retrouve à peu près les mêmes produits un peu partout. Donc, vous avez des produits My Beauty. Il y a encore des sacs d'Halloween, il reste ici des sacs lunch pie d'Halloween. Vous avez des sacs lunch pie 30 ans. Voilà, il y a un peu de tout. Et vous avez un petit corner Pandora juste là aussi également. Donc, là, je vais vous montrer, mais voilà. Là, vous avez la gamme Black Panther qui est toujours là. Voilà, ici, juste ici, donc voilà, il y a un peu de tout ici aussi. C'était à dire qu'avant, on trouvait des produits Noël pendant un moment. Non, maintenant, c'est plus le cas, maintenant, ça a été une boutique un peu mode, on va dire. C'est pas mal, elle a été restée fermée pendant un petit moment, mais là, maintenant, ça y est, bien rouverte. Et puis, voilà, vous avez pas mal de choix. Un petit sac lunch time, 1000 franchement, pas mal du tout. J'aime bien aussi, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà les amis, on a fait un petit tour en bas de Main Street. Là on va aller se placer pour le spectacle, et cette fois on va vite revoir un coup de Ready for the Ride, Raison et le monde s'illumine. Et puis voilà, après on continuera tranquillement la balade. On ira à Harrington mais un peu plus tard. Bon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à ce niveau là. Mais voilà, il était pas mal le sac Avengers Campus, là je voulais filmer en dernier là. Franchement il est fait de l'œil, franchement je le trouve cool. Mais bon, 90€ quand même, voilà. Donc ça, après il y a un article que je vais vous montrer à Harrington qui me fait de l'œil aussi. Voilà. Allez, bon, on se place, c'est parti pour le show. Rêvons, ready for the ride. Voilà, allez, let's go.
voulez réaliser un rêve? Demandez à un lapin malin. Lieutenant Julius, pour vous servir. Vous voulez un conseil? Écoutez votre cœur et suivez vos rêves. C'est tellement bien. Falling lights of flame.
Bon, mais les amis, voilà, on sort du Frontierland Theater. Je sors du Frontierland Theater. Et que je dise, ben, ça fait toujours le même frisson de revoir ce spectacle. Ça fait 28 moments que je ne l'ai pas vu. Mais bon, voilà, c'est toujours aussi bien de le voir. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait à la télévision, donc c'était chez nos amis de C8, il y avait l'émission Disneyland Paris, les secrets des plus grands shows. Et on a parlé bien sûr du spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Donc il y avait pas mal de petits secrets que je ne savais pas, enfin que j'ai découvert du coup en redécouvrant le spectacle du coup. Voilà, comme tel que par exemple des petits secrets comme le fait que la scène qui tourne, il y a une espèce de sécurité pour pas que si jamais ça y a un performeur qui est au mauvais endroit au mauvais moment, du coup pour pas que s'il y ait un accident. Par exemple les acrobates que vous voyez qui font à la fin le superbe, enfin les acrobaties dans les airs, ce sont des acrobates qui sont de haut niveau. Ce sont des femmes qui sont du Cirque du Soleil. Enfin, c'est vraiment un truc. Et puis voilà, les chanteurs, c'est vraiment du chant live. Comme j'insiste sur le, on insiste sur le fait que c'est vraiment du chant live. Donc voilà. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu.
Ça fait depuis un moment que je vous le dis d'aller le voir. Donc voilà, j'espère que vous allez le voir parce que franchement, ce spectacle, il vaut le coup. Et je pense que c'est un des meilleurs spectacles que l'on ait. Tout parc Disney confondu, je pense que c'est un des meilleurs. Que je pense qu'à mon avis, il se pourrait que ce spectacle s'exporte à l'étranger. On espère en tout cas que Disneyland Paris puisse exporter ce spectacle dans les parcs à Disney à l'étranger. Voilà. Allez, on va se laisser là. On va continuer, on va aller voir la parade parce que j'ai un truc à vous dire sur ça. Il y a un truc sur la parade que je dois vous parler. Allez, c'est parti, on y va. Let's go! Je me retrouve là, on est devant le tête du château, du coup, dans le château. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il s'est passé un événement là, cette semaine. C'est qu'en Californie, il y a eu un incident. Un incident, c'est qu'il y a eu un feu sur un élément de décor. Donc, c'était pour lors d'un spectacle. C'était le spectacle Mickey Fantasmic à Disneyland Resort en Californie. Du coup, il y a eu le dragon du spectacle qui a pris feu. Il a complètement brûlé. Et en conséquence de quoi, dans tous les parcs Disney où il y a des dragons donc avec des effets de flammes, ça a été suspendu. Donc c'est ce que vous avez vu à l'instant sur la Disneyland Parade. Notre dragon de Maléfique a été ils ont coupé les effets pyrotechniques, on va dire, mais avec le feu. Et c'est le cas également aussi pour le celui de Floride, parce que celui de Floride est exactement le même que le nôtre. Donc c'est pour ça, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors pour l'instant, c'est pas jusqu'à quand ça va durer. Ça va être certainement le temps de faire les vérifications techniques pour s'assurer que tout va bien. Voilà, c'est une question de sécurité pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas. Voilà. Allez, bon, ben on va continuer la journée. On va aller faire une attraction parce qu'on a fait qu'une seule attraction depuis ce matin. Donc on va essayer de voir si on peut faire une attraction et puis voilà. Allez, let's go!
fête 100 ans cette année. Ouais. Ouais, il est partout. Là, voilà. On fête 100 ans. Regarde, même là, regarde. Les oreilles, eh ouais. Allez, au top. Alors, c'est dos à dos, c'est parfait. Ah, comme ça, ouais. Les mains sur les hanches. Ouais. Allez, on regarde. Ah, celle-là, elle va être collector. Ah, ouais, là, celle-là. Ouais. Merci, nickel. Attends. Voilà. Ciao, ciao. Oh là là, en vrai c'était cool, ça faisait longtemps que j'étais pas allé voir Mickey dans la maison à Meet Mickey Mouse, du coup, voilà, c'est pas mal. Alors par contre, ce qu'il y a à savoir en ce moment, c'est que Meet Mickey c'est ouvert jusqu'à 19h, donc c'est pas mal, donc c'est ouvert un peu plus tard le soir, enfin à 19h, voilà, alors que le parc ferme à 23h, mais voilà, c'était franchement cool. Écoutez, je suis content, j'ai vu Mickey, voilà, il est super joli, toujours super cool à voir dans sa tenue classique, voilà, j'ai pris un bon plaisir à le voir. Voilà, c'était le seul perso que j'ai pu rencontrer, on va dire, aujourd'hui. Voilà, allez, on va aller, je sais pas, on va aller rejoindre une amie, puis on va faire continuer le tour, voilà. Allez, le château, je sais pas. Allez, let's go. Bon alors les amis, bon je vous retrouve là, je sais que bon, on est à Fantasyland au niveau du Pizzeria Bella Notte, mais je suis tout seul, écoutez. Mais je me suis arrêté en passant pour prendre à manger. J'avais pas envie de manger à Discoveryland pour une fois. Je me suis dit je prends emporter, je prends deux trucs, puis voilà, je mange un petit burger BB-8. Bon, c'est très ça, c'est Star Wars, mais du Star Wars ici à Fantasyland à côté du Pizzeria Bella Notte. Un peu de nuggets de poulet, voilà. D'ailleurs, je vais voir s'ils ont changé la recette des nuggets. Hein. Ils sont pas mal. J'adore les nuggets de poulet comme ça. C'est du vrai poulet, c'est pas de la pâte à poulet. Hein. Pas mal du goût. Voilà. Bon. Bon, je mange là. Et puis, voilà. Puis, il est quel an ? Il est entre 20h à peu près. On a le show ce soir toujours à 23h, donc voilà, on va passer la fin de la début de soirée, on va faire les attractions, je pense qu'on va aller faire Space Mountain, Star Tour, petit BTM de nuit, ça va être sympa, voilà, bon mais voilà, allez let's go, parti. Thank you.
Bon les gars, bon ben là ça y est, la nuit commence à tomber. Bon, on vient de faire, Star Tour et Hyperspace Mountain. Il me restait juste un truc à aller voir. On va aller du côté de la boutique Harrington sur Main Street. Donc je vais vous montrer, il y a pas grand chose, mais deux trois trucs à vous montrer. Puis voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Mais bon, voilà, de toute façon, on va aller faire un tour. De toute façon, il y a toujours des belles choses à Harrington à aller voir. Puis voilà, puis ensuite on ira terminer tranquillement la soirée. Avant, bien sûr, Disney Delight et Disney Dream, voilà. Allez, c'est parti, let's go. Gamme, vous savez, la collection Walt Disney Era est franchement magnifique, cette collection. Bon, il y a les Spirit Jersey, voilà, toujours. Voilà. Ils sont Spirit Jersey à 75 €. Alors, par contre, ça, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Enfin, je vous l'ai déjà montré, mais franchement, cette casquette là, avec écrit Walt Disney Studio avec Mickey dessus, à 25 €. Je vais essayer un peu. Moi, je trouve que ça me va super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, vous me trouvez comment avec ça? Voilà. Peut-être je vais craquer, je sais pas. On verra bien, je sais pas encore. Et puis, voilà. Hop, on la remet là. Après, il y avait aussi. Alors, ça, il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est. Il y avait ça. Hein. Ça, c'est une espèce de. Je sais pas. Un pot à crayon, franchement. 30 € le pot à crayon. Là. Après, il y a le serre-livre. Voilà, ça arrive à 79 € quand même. La figurine de Mickey qui est ici, elle est pas mal, je trouve. Franchement, 129 €, peut-être un jour je l'achèterai, on verra. Bon, bien sûr, la collection des Kate que vous avez sur Shop Disney, la gamme des années 20 et la gamme des années 30. Donc là, franchement, pas mal du tout. Je vous la remonte bien près. Avec les oreilles de Blanche-Neige. Hop, de devant, derrière, on sait qu'un. Puis voilà, Steamboat Willie ici, voilà. Alors après, toute autre chose, il y a aussi ces lithographies ici. Vous avez là ici la lithographie Kevin et Jody. Vous avez donc des petites cartes comme ça. Voilà, avec Merlin et voilà, ici comme ça. Donc ça, c'est vendu 6 €. Et puis vous avez la grosse lithographie ici. Voilà, c'est la version plus grosse en vérité, à 35 €. Voilà, donc Kevin et Jody, c'est ici à Harrington, Disney Gallery, etc. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, allez, on continue, on finit la soirée. Bon, mais voilà les amis, donc là je suis à Frontierland pour pas changer. BTM est encore en panne puisque les lumières sont allumées. Donc voilà, on va aller faire un tour du côté de Phantom Manor, je pense. Voilà, donc on termine la soirée sur Frontier et Adventureland. Du coup, on a été sur Disco déjà. Voilà, donc vous avez vu du coup, donc là, Harrington, les produits là qui sont pas mal. Il y a juste un truc là qui est sorti aussi à ces jours-ci là, je crois que c'était hier qui est sorti. C'est le jersey, un nouveau jersey bleu. Sur le thème de mini croisière, on va dire. Après, c'est pas précisé ce que c'est mini, mais il est cool. Et voilà, je vous le montre là, vous le voyez en plan de coupe là. Donc, un superbe Spirit Jersey à nouveau. Bon, par contre, le prix 75 €. Voilà, ça pique un peu. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. To Phantom Manor. Allez, parti, let's go. Yeah.
Les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pour aujourd'hui. Donc voilà, on a vécu encore une fois une magnifique journée avec qui s'est finie en bouquet final, bien sûr, avec Disney Dream et bien sûr Disney Delight, nouvelle version, comme vous savez. Et franchement, j'adore franchement beaucoup cette nouvelle réorchestration de Un monde qui s'illumine. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'il réarrange le morceau. Et franchement, c'est bien, j'aime bien ce morceau cool. Le directeur du château, il a encore changé les éclairages, c'est encore plus beau, voilà. Bon, sur ce les amis, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, les lives sur Twitch, n'oubliez pas, et puis voilà. Allez, à bientôt les amis, bisous, bye bye. Love.
think so now.